Le vent souffle fort, mais notre voyageur s'accroche. Son robuste cheval lui permet de traverser la forêt sans encombre. Il arrive bientôt au port, s'assoit sur un banc et attend patiemment son bateau. Enfin, il va pouvoir retrouver sa richesse, son prestige et couvrir ses filles d'une montagne de cadeaux. Mais le temps passe et toujours pas de bateau. Il fait de plus en plus froid et la mer est de plus en plus calme. La nuit tombe, mais le marchand entend quelque chose sur les pavés. C'est là le vieux capitaine, marchant avec une canne. Peut-être qu'il sait quand le bateau doit arriver. « Capitaine !» s'exclame le marchand. « Mon bateau, le trois-mâts aux voiles rouges, savez-vous quand il doit arriver ?»« Ça, pour sûr, je le sais !» lui répond le vieux capitaine. « Je l'ai vu en fin de journée, au milieu de la tempête. Nous avons bien essayé de leur porter secours, mais le bateau et l'équipage ont coulé. Désolé, mon bon marchand, mais vous ne le reverrez jamais. » À ces mots, le marchand ne tient plus sur ses pieds et tombe à genoux sur le pavé. « Mes marchandises !» Terminé les rêves de richesse, il n'a plus qu'à retourner chez lui et annoncer la mauvaise nouvelle à ses filles. Il avance, sur son cheval, dans cette forêt qu'il connaît si bien. Mais il est tellement perdu dans ses pensées qu'il ne regarde plus le chemin. Et bientôt, le voilà perdu. Il regarde à droite, à gauche, mais ne retrouve pas le sentier qui mène à la maison. La seule chose qu'il semble apercevoir est un château. Un château ? Ici ? En pleine forêt, si loin du village ? Qui peut bien y vivre ? Peut-être qu'il pourra y trouver de l'aide ?